va bien? Salut toi! Ça va Antonin? Bah ouais, ça ouais. roule. Merci de me recevoir. On est tout seul? Écoute, on est tout seul, il y a Jeannot qui est là, qui bosse un peu derrière, sur la bouche tranquillement, il doit être caché dans les recoins. Ah ouais, parce que c'est un vrai professionnel. Ouais, dimanche soir, ouais. Bon, comment ça va? Écoute, ça va très bien. Tu préparais à manger déjà là? Ouais, j'ai commencé à préparer un petit dîner. Comme tu m'as dit, après, je me suis dit, on va faire. En fait, t'arrêtes pas quoi, t'es un vrai chef, tu peux pas t'en passer. C'est assez rare que je cuisine à la maison, mais voilà quoi, quand les potes passent, il faut. On va pas se faire un domac. Enfin, non, bah on aurait pu, mais en même temps, c'est pas forcément la classe quoi. Mais explique-moi, ça fait combien de temps que tu cuisines toi? Ça fait presque 10 ans maintenant. T'as quoi comme formation? Ça fait 10 ans, j'ai fait Ferrandi, il y a 10 ans après mon bac, qui est une école supérieure de cuisine. Et on a fait 3 ans de formation en alternance, on faisait des stages dans des grandes maisons. Et puis après, j'ai un petit peu voyagé, j'ai cuisiné en Australie, j'ai cuisiné dans le sud-ouest de la France, j'ai cuisiné à Paris pas mal dans des bistrots, des gastros, un peu de tout quoi. Et comment t'en es arrivé à faire Animal Kitchen? Comment j'en suis arrivé à faire Animal Kitchen? Et ben écoute, c'est vrai que mes copains d'enfance c'était des gros icos. Et moi je suis un passionné de musique, eux c'est des passionnés de bouffe. Je les ai suivis pendant longtemps dans leur péripétie avec leur groupe et tout. Et on avait envie de faire des choses ensemble, on avait envie de faire des. De continuer à se faire kiffer, etc. On a monté ce label à deux, enfin à quatre. Mais donc là tu parles d'Animal Records du coup, c'était Animal Records, c'était avant Animal Kitchen? On a créé Animal Kitchen un peu plus tard. Animal Records c'était vraiment le postulat de départ, c'est-à-dire que eux avaient un temps d'avance sur moi dans le sens où ils avaient déjà un studio, ils étaient un gestion, ils avaient tous leur groupe, etc., leur formation. Et moi c'est un truc qui me passionnait, donc je les ai suivis très près avec Bart, qui est un de mes associés. Et on a essayé de les aider à se développer musicalement, à leur trouver des dates, à créer des pages Facebook, etc., faire un peu de management. À notre échelle. Et puis on s'est pris au jeu en fait, c'était un peu un hobby puisque moi j'étais cuisinier à côté dans mon restaurant. On s'est vraiment pris au jeu, ça a pas mal marché à l'époque, c'était il y a 4 ans maintenant. Et il y a un moment où on s'est dit ok, qu'est-ce qu'on fait de tout ça, qu'est-ce qu'on fait de cette musique, c'est quoi notre projet. Et on avait tous l'envie commune, donc avec John, Paul, Bart et moi, de créer un label. Et on avait tous aussi envie de pouvoir en vivre et que ça coule pas au bout de 2 ans comme 70% des labels électroniques qui commencent leur affaire. Donc on a réfléchi à un moyen de pouvoir vivre de notre musique et de notre passion. Et en fait, de façon assez évidente, on s'est dit ben la cuisine. Et voilà, ça n'existait pas encore, il n'y avait pas de label hybride, on s'est dit on va la monter. La cuisine en fait ça permet de faire de la musique. Bah, parce que la musique c'est trop compliqué aujourd'hui dans le marché pas, pour pouvoir trop compliqué, s'en sortir. Mais en tout cas nous on a envie de défendre ces deux arts avec une seule entité. On a envie de voilà d'être un label hybride. On a envie de signer des chefs comme on signerait un musicien et on a envie de trouver des parallèles et d'essayer de des parallèles qui existent déjà parce que eux sont des super zikos. Moi je suis un cuisinier. Voilà. On avait déjà plein de liens et on a essayé de persévérer là-dedans et de trouver encore plus de moins d'expressions communes entre ces deux arts, puisqu'on les considère tous les deux comme des arts. Et voilà, on a créé ce label hybride en se disant on va faire de l'événementiel. C'est un truc qui nous plaisait beaucoup d'organiser des événements et on va essayer de faire en sorte que tout cohabite. Ouais, donc du coup c'est pour ça que vous êtes sorti de la cuisine et du studio pour faire la douve blanche. Voilà, donc après la douve blanche c'était un peu pareil, une histoire ancienne dans le sens où on avait déjà fait pas mal de fêtes là-bas. Ce château c'est un lieu dans lequel on a plus ou moins grandi. On vient de Seine-et-Marne, en tout cas 3 des 4 associés à la base. Et voilà, on a fait pas mal de teuf là-bas avant de créer le festival. Et là tu parles du château d'Aigreville, hein, c'est ouais, ça? Ouais, château d'Aigreville, ouais, donc dans le sud de la Seine-et-Marne. Et en fait, c'est venu assez rapidement après la création du label. On faisait pas mal de petits événements. On a commencé tout doux au café de la presse, à l'international, après à la Flèche d'Or, etc. Et on avait envie de faire un gros événement marquant. Et en fait, la dernière fois qu'on avait fait la fête dans ce château avec les copains, on était 500, il y avait deux scènes.
Il y avait eu un gros buffet, un gros buffet, un gros buffet. On comprend le montage. On a fait un gros buffet. Non mais. Salut. On avait fait un gros buffet, et puis c'était la teuf quoi, pendant deux jours. Et on s'est dit, en fait, le festival, il, techniquement, il existe déjà. Mais on avait envie de faire les choses de façon un peu plus officielle. Ouais. Et d'ouvrir ça aussi, un peu d'élargir ça à un spectre de gens inconnus, que ce soit un peu plus juste les copains qui soient là, et de, voilà, de faire découvrir un peu ce qu'on faisait, ce qu'on aimait faire, etc. Et on était aussi pas mal inspiré de festivals concurrents mais qui sont des copains, et je pense au Pic de Monkey qui a été le premier festival dans lequel un de nos groupes a joué, Bloom, il y a quelques années. Et voilà, on était reparti de là avec une super expérience, des souvenirs plein la tête. On s'est dit bon bah voilà, on va faire de ce lieu extraordinaire, le château d'Aigreville, un lieu de fête ouvert à tous, et on va y faire vivre notre passion, et ça sera notre écrin. Une fois par an, on pourra vraiment se déchaîner dans cet endroit qui est juste exceptionnel, unique, et on a créé la Douve Blanche. Ouais, alors du coup, c'est comme dit un festival hybride, c'est qu'à la fois on va écouter des artistes, programmation qui est assez éclectique mais surtout assez pointue, ouais. Je vais dans, dans l'indé. Je le dis maintenant. De quoi ? C'est pas à cause de toi. Voilà, j'ai des zones rouges dans la main, je vais pleurer. Ah ouais, non, mais j'avoue, ouais, continue, ça sent. On fait comme si de. ça fait mal. Ouais, moi c'est pareil. Et du coup, alors il y a la musique, mais il y a aussi justement la restauration. Il y a aussi parce qu'il n'y a pas que les groupes qui vont monter sur scène, il y a aussi voilà. des vrais cuisiniers qui viennent et qui cuisinent voilà. avec toi. On a envie, alors maintenant dans la plupart des festivals qui ont un petit peu de dignité, les programmateurs essaient de faire en sorte qu'il y ait vraiment une offre de restauration qui soit chouette, que les gens puissent bien manger. Si tu restes 2-3 jours dans un festival, c'est bien de pouvoir manger. C'est pas chose que des food trucks. Donc c'est souvent des food trucks quand même la plupart du temps, mais qui peuvent être très qualitatifs, etc. Mon exemple le plus concret, c'est Willow Green, où quand même t'as quasiment une trentaine de restaurateurs qui sont là. C'était une belle période, hein, tu vois, t'as l'émotion. Ouais, ah putain, c'était génial Willow Green, merci les gars. Wow. Ok, voilà, tu manges très bien dans les festivals. Nous, on essaye de pousser le concept plus loin, dans le sens où on n'invite pas des restaurateurs et chacun pose son stand, chacun fait sa merde dans son coin, c'est celui qui vendra le plus, etc. Là, le postulat, c'est... On invite des chefs, donc c'est pas des food trucks, c'est vraiment des cuisiniers qui sont installés ou en tout cas c'est des gens qui sont connus et reconnus quoi. Voilà. Connus et reconnus pas forcément, c'est des jeunes chefs comme moi, ils ont tous mais qui ont déjà leur restaurant. La plupart ont leur restaurant, mais voilà, c'est des mecs qui en tout cas partagent. On marche beaucoup au coup de cœur et qui partagent les mêmes valeurs que nous, c'est-à-dire la cuisine de qualité, la cuisine de quartier aussi, parce que c'est tous des gars qui sont implantés dans des endroits où, où la restauration n'est pas forcément genre super facile. On n'a pas toujours des très bons restaurants, etc. Mais ils sont, ça s'est installé à Belleville, c'est dans le cœur du 12e. Péco Péco aussi, Adrien Tran et tout, il a pas mal bougé, il a fait pas mal de petits restaurants à droite à gauche. Et voilà, l'idée c'est ces chefs là, on les invite, et à partir du moment où on les invite, on se met autour d'une table tous ensemble et on réfléchit à une carte commune. Et ensuite, d'accord. dans le festival, nous on construit une cuisine, on construit même maintenant cette année, c'est la petite nouveauté, un food court, donc vraiment un espace restauration avec plusieurs stands, mais tous ces stands là ils ont été réfléchis en commun, et en fait ils appartiennent à une seule et même entité. C'est-à-dire que voilà, c'est pas chacun dans son coin et chacun a son stand de 3 mètres, 6 mètres, etc. On va tous être mélangés, on va être une grosse brigade avec plein de chefs invités. Et la carte, on l'a tous faite ensemble, donc les pâtisseries... Qu'est-ce qu'on va manger du coup, la double hein. On va avoir un sandwich au poulet fermé. Ouais, alors allez, je peux te servir un petit coup d'ailleurs. Ouais, vas-y, ouais. Ou un vin blanc, comme tu veux. Vin blanc. Ouais, t'en as. Ouais. Excellent cru. Ah donc du coup la carte là elle est faite. La carte elle est faite, on l'a fini il y a quelques jours. Donc c'est vraiment, on a mis un mois à la faire quoi, parce que bah c'est des échanges entre chefs, c'est des idées, c'est des... Voilà, on a tous aussi pas mal de boulot à côté, donc ça prend beaucoup de temps, mais au final on est assez fiers. Merci. Parce que c'est un truc qui a été fait en commun et c'est ça qui est important. Et c'est comme ça que le festival fonctionne. Ça tombe bien. Tout est fait en commun. La prog est réfléchie en commun, on a un programmateur qui est John, qui est un des associés du label, mais on fait ça ensemble, genre chacun donne ses idées, on réfléchit, c'est ultra collaboratif,
On est presque dans l'associatif, quoi. D'ailleurs, on a créé l'association cette année pour le festival. Parce que y a tellement de gens impliqués qui font ça juste avec le cœur avant de réfléchir à comment, comment je vais gagner mes sous, etc. Voilà, tu as des centaines de personnes. Cette année, quasiment 150 personnes qui travaillent sur ce festival. Pour certains, depuis un an, depuis la dernière édition, à réfléchir comment faire de ce lieu et de ce moment sur trois jours un moment unique et qui est différent aussi des autres festivals, même si c'est pas la course, on essaie de faire quelque chose qui. Non, mais sur le papier, ça en a l'air. Combien d'éditions du coup là, de c'est la troisième. C'est la troisième. Et voilà, du coup, évidemment, on essaie toujours d'améliorer un petit peu les choses année en année. Ah ouais, mais tu nous régales là. Ouais. Là, c'est grosses, qu'est-ce que tu nous fais là du coup? Des grosses crevettes de Madagascar que je suis allé chercher ce matin sur le marché à Bastille. Voilà, on a des crevettes, on a des shiitakes, on a des petits champignons. Alors attends, quand tu cuisines, c'est tu vas prendre les ingrédients à droite à gauche et tu improvises après coup ou tu réfléchis à tout ça en amont, qu'est-ce que tu veux faire? Alors là, comment par tu exemple, fonctionnes? Quelle est ta cuisine à toi? Moi, je suis un mec assez peu organisé, donc. Attends, mais c'est super propre. J'ai là. Appris à. Tu savais que je venais, c'est ça? Hein? T'es pas sérénisé, mais là c'est quand même super propre. Parce que tu savais que ouais, je venais. C'est parce que j'ai fait la vaisselle juste avant que t'arrives. C'était le bordel il y a 2 minutes. Ouais, non, j'ai appris par la force des choses à cuisiner un peu à l'instinct. Et c'est aussi ce qu'on défend très franchement dans le label et tout, parce qu'on est tous un peu des bordéliques. Et voilà. Généralement, moi je commande mes produits le soir pour le lendemain. Là ce matin, j'étais faire le marché, mais tu vois, je savais pas spécialement ce que j'allais cuisiner. J'ai pris des légumes de saison. Des fruits, je suis tombé sur des super gambas que j'ai bien négocié et tout, des grosses crevettes de Madagascar qui sont magnifiques. Et langoustine, ouais. J'ai été faire un tour aussi chez un producteur, j'ai acheté 2-3 petites surprises que je te montrerai après. Et voilà, là on va assembler ça, on va. Ouais, c'est à l'instinct, quoi. Je te dis franchement, je vais aller un peu au feeling, je sais pas trop ce que je vais faire comme recette, mais il n'y a pas de. Y a pas de mauvais choix dans le sens où déjà si tu pars avec des bons produits, tu vois, genre. Le plus important pour toi, pour cuisiner, c'est avant tout le produit. C'est le plaisir que tu vas prendre en cuisinant et le plaisir que tu vas prendre après, quoi. C'est quoi un bon chef pour toi, c'est quoi du coup? Comment tu le résumerais? Un bon chef. Quelqu'un qui va chercher à innover, bah juste chercher à se faire plaisir, quoi. Bah, c'est surtout quelqu'un qui va essayer de faire plaisir, je pense. Qui va essayer de faire plaisir aux gens qui reçoivent. Et qui va être généreux dans sa cuisine. C'est un peu cliché de dire ça, mais. Mais non, mais c'est ta vision, c'est pas cliché. Assez souvent, tu vas dans les restaurants, tu manges, mais genre c'est un peu chichiteux. C'est très joli, mais ça manque d'amour, quoi. Nous, on fait la. Tous les gars là qui sont invités, que ça soit Benjamin Richard de Mon Cœur, enfin, excuse-moi, de Marcel, que ça soit Étienne, justement, du Mon Cœur Belleville, que ça soit Adrien, qui a bossé pendant longtemps vers Volé et tout, etc. C'est des gars qui cuisinent sans compter, quoi. Et moi, ils sont venus me rendre service au moment où j'ouvrais mon premier restaurant. Et genre, ils ont été géniaux. Et genre, ils comptaient pas leurs heures. Et ils comptent toujours pas leurs heures. Et leur objectif, c'est de faire kiffer les gens, quoi. Comme d'ailleurs un musicien qui monte sur scène, quoi. Son plaisir, c'est de voir les gens en face qui hurlent, qui sont comme des fous, qui passent un live en transe, qui ressortent de là, qui sont là, qu'est-ce que c'était que ce bordel et tout. Voilà, nous, quand à la fin d'un repas, un client vient te voir et te dit « Putain, c'était incroyable, j'ai super bien mangé, c'était bon, les gens étaient gentils, j'ai bu du bon vin, genre l'endroit est cool », bah c'est ça notre combat, quoi. Ouais. Et toi, on va pouvoir justement goûter vos plats là durant la double blanche, mais toi, on peut aller plus spécifiquement goûter Anima Kitchen au point éphémère, ouais. Absolument. Durant tout l'été encore. On y est tout le temps. D'ailleurs, il y a même une terrasse, j'ai appris qu'il y avait une terrasse au-dessus. Ouais, on a ouvert, rooftop, on a ouvert le rooftop du point éphémère, qui était ouvert depuis un an, mais un peu en catimini. Et là, cette année, on a réussi à imposer notre cuisine là-haut, et c'est vraiment très chouette. Le point éphémère nous a laissé l'honneur de faire manger aussi là-haut. Et donc, on a une petite guinguette sur les toits de Paris, c'est quand même un luxe. Hein. Bah, c'est aussi un luxe, j'imagine, de goûter à votre cuisine. C'est surtout ça le luxe. Parce que moi qui ai l'occasion justement d'aller au point éphémère pour manger ce que vous faites, c'est quand même assez costaud, quoi. Écoute, merci. Non, mais comme tu dis, je veux dire, ouais, quand t'as des gens, tes clients qui reviennent, ils disent c'est bon et qui reviennent, bah c'est que c'est cool, quoi. Tu vois, c'est que t'as réussi. C'est un lieu événementiel, donc qui dit lieu événementiel souvent dit bouffe un peu dégueulasse. Les salles de concert, c'est quand même assez rare de trouver un très bon resto dans une salle de concert, même si ça existe.
Mais non, c'est raffiné. Ouais. Moi, ce qui me fait vraiment plaisir, c'est quand les gens viennent au point éphémère et se disent bah ouais, on s'attendait pas du tout à ça parce que bah c'est très rare de bien manger en fait dans une salle de concert. Dans un bar quoi. Et ça, nous, c'est notre postulat, c'était on se bat pour ça, on se bat pour que les gens arrivent au point éphémère pour voir un concert, pour voir une expo, pour participer à un spectacle de danse et ils prennent à manger parce qu'ils ont la dalle sans trop savoir à quoi s'attendre parce qu'en plus, on voit pas les cuisines au point éphémère donc on est un peu caché, on est un peu dans l'ombre. Et tu commandes ton truc, que ça soit un burger le plus simple possible ou des tapas, etc. Tu prends une petite gambas en tempura, un guacamole, quoi, le truc que 95% des restaurateurs font. Et quand tu manges, tu dis ah ouais, ok, c'est cool, c'est bon. Tu sens que c'est fait maison, tu sens que c'est frais, que ça a été fait là à la minute, que les tacos de maïs, ils ont été frits ici avec du maïs frais, que le guacamole, il a été fait maison avec des avocats, qu'il y a Polo qui a fait 100 guacamole le matin. Big up. Voilà, c'est ce qu'on veut vendre, on veut que les gens ressentent ça, on veut que les gens se disent ok, en fait voilà, c'est de la belle cuisine, même si c'est a priori pas un restaurant au sens propre du terme quoi. Ouais, bah on y retournera, et puis d'abord on va aller à la Douche Blanche, ouais. Avant tout. Là c'est complet là le festival, on peut toujours avoir des billets. Alors, comment on fait pour y aller, places. C'est pas loin de Paris en plus. On est à une heure de Paris, il reste encore des places, c'est vrai que les gens... on a un public qui se réveille un peu au dernier moment et c'est assez agréable aussi parce que c'est un truc un peu spontané. Et donc là ça part très fort dans les deux dernières semaines toujours. Donc depuis la semaine dernière ça s'excite. Mais il reste encore des places, on aura pour tout le monde, on aura sûrement quelques places à l'entrée. Et puis voilà. C'est l'occasion de voir, de goûter déjà à vos places. C'est l'occasion de voir aussi Agar Agar, Polo & Pan. Ouais. Y'a qui d'autre? Moi dans mes gros coups de cœur. Il y a Pardonnez-nous qui est un super collectif parisien qui est pas très vieux mais qui vraiment bombarde et qui font une super électro, super joyeuse, ça mixe vraiment bien. Je les compare un peu à la Mamis, tu vois, il y a toujours une bête d'ambiance en fait quand c'est égal à mix. Il y a Saint James qui était la grosse révélation de la première année qui avait fait Closing et qui est juste un DJ incroyable. Donc je suis très fier d'avoir ajouté son nom à la prog. Il y a Burst of Joy, c'est vraiment, je pense, une des claques que les gens vont prendre sur scène pendant le festival. Rock psyché, incroyable. Et puis après, il y a plein de petites surprises. Pomrad aussi, qui sont un peu des insiders, mais qui bombardent sur scène. Disco, funk, ça joue et tout de ouf. En même temps, vous êtes aussi des coureurs de talent quelque part. Hein. Vous êtes une sorte de travail de curation des petits groupes qui vont certainement grandir demain. Quoi. Clairement, on se positionne comme ça. Nos groupes sont que des groupes en développement, donc des groupes à la base absolument inconnus et qu'on essaye de faire vivre et faire connaître, etc. Parce qu'on croit à 100% dans ce qu'ils font. Les cuisiniers qu'on invite, les chefs qu'on invite sont des gars, a priori, comme moi d'ailleurs, assez inconnus et qui cuisinent depuis quelques années mais qui n'ont pas encore forcément fait leur trou, qui débutent, qui ont ouvert leur restaurant. Pour la plupart, Ben il a ouvert son restaurant Marcel en avril. Etienne il a ouvert il y a un an et demi à peine, il a repris Mon Cœur, etc. Et c'était un vrai pari et ça marche, etc. Donc voilà, nous on est dans cette espèce de... on a envie de grandir ensemble. Tous les gens qui travaillent sur le festival sont des gens qui sont à peu près à la même époque de leur vie, où voilà, ils essaient d'accomplir des choses, de réussir, de créer des choses et de créer un environnement en fait. Ce qui nous caractérise, c'est qu'on a tous envie de faire les choses ensemble et personne ne bosse dans son coin. Et tous ces gars-là, alors qu'ils en chient déjà dans leur restaurant, sont ravis de venir travailler avec moi en cuisine et de participer pendant 3 jours à un festival parce qu'ils sentent, l'énergie qu'il y a autour, ouais. Et que tout le monde est dans la même vibe, tu vois. Ok, voilà. Bah, c'est cool. Merci, je vais te laisser à ta cuisine Antonin, je vais pas trop te déranger non plus. Non, là tu passes au feu, je pense que c'est un peu dangereux. Hein. Ouais. Et je te remercie, en tout cas nous on se voit à la Douche Blanche, parce que moi j'y serai, je vais pouvoir raconter tout ça. Et puis j'y serai l'année prochaine, cool. Et puis je reviendrai au point éphémère aussi pour manger tes bons petits plats. Bon bah tu restes un peu pour... ouais bah attends, je vais rester, je vais finir mon verre, okay. Et puis je vais manger des gambas comme tu dis. À toutes. Big bisous.